Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci de vous connecter à l'heure, on apprécie ça, vraiment, c'est top. J'espère que vous passez une bonne semaine en notre compagnie. On a la chance de recevoir une trentaine d'experts pour acheter ou louer aux USA. Je vous rappelle le site internet si jamais vous êtes connecté depuis YouTube Live ou Facebook Live. Vous pouvez retrouver toutes les conférences en replay sur acheterauxusa.com. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir un expert du marché de Baltimore, Yannick Jetta. Il va nous dire un petit peu ce qu'il fait et il va nous parler un petit peu de son fonds d'investissement immobilier. Ensuite, on va avoir Amélie Deschênes, notre sponsor avec OFX, qui va nous expliquer comment optimiser un petit peu votre transfert d'argent si jamais vous faites votre achat dans une devise étrangère. N'hésitez pas, si vous êtes sur le site, vous pouvez poser vos questions en dessous, juste là. Si vous êtes sur Facebook, ça doit être sur les côtés, quelque part par là. Et si vous êtes sur YouTube, c'est pareil, en commentaire en dessous. On démarre tout de suite avec Yannick, juste après ça. Ok, merci encore à OFX de soutenir toute la semaine. Salut Yannick, comment vas-tu? Très bien, et toi Romain? Ah super. On a de la chance aujourd'hui, il fait beau sur le nord-est des États-Unis. C'est une belle journée qui démarre. Je vais te donner la parole pendant à peu près une 15-20 de minutes. Si vous avez des questions, on les prendra à la fin. Donc Yannick et Amélie seront là pour répondre à toutes vos questions à la fin. Je te laisse le floor et puis je te laisse partager aussi ton écran pour qu'on puisse voir un petit peu la présentation. Voilà, merci, à tout à l'heure. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos familles également. Alors je tiens à remercier avant de commencer toute l'équipe de French Morning, Amélie qui est présente également, nos investisseurs sans lesquels l'aventure Baltimore Real Estate n'aurait pas pu avancer aussi vite et avec autant de succès. Et évidemment, nos partenaires et notre équipe de Baltimore Real Estate. Donc, si jamais à la fin de la présentation, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Évidemment, on y répondra. Et puis également, nous mettrons à disposition nos consultants si jamais vous en avez. Alors, on va commencer. Alors, la société Baltimore Real Estate a été créée en 2018 et à travers donc une société immobilière qu'on appelle LLC. L'idée, c'était de concocter un fonds d'investissement avec plusieurs paramètres. Donc, le premier paramètre, c'est mon domaine de prédilection qui est le marché de la devise. Donc, initialement, lorsqu'on s'est installé en 2012 à New York, c'était pour être proche de la volatilité américaine sur le marché de la devise. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait des opportunités sur le marché immobilier américain. Donc en 2008, comme vous avez pu le voir, à Miami, c'était plutôt intéressant parce qu'on avait vu une crise relativement importante. Et derrière, un an après, les prix ont stabilisé. Et 10 ans après, on a quasiment fait du x3 à Miami. Du coup, nous, on était trop jeunes en immobilier pour s'installer à Miami. Et petit à petit, on a continué à suivre le marché immobilier. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'opportunités sur les villes à crise. Donc, on a été exposé à Détroit à titre personnel. Donc, Détroit, ville en crise, les prix des maisons vétustes étaient aux alentours de 30 à 40 000 dollars. Du coup, on s'est exposé, on a fait un petit test. Ça a bien fonctionné parce que 6 mois après, on a eu de forts investissements sur la rue principale et on a vu donc une opportunité. Et petit à petit, on a commencé à investir dans le New Jersey, à Paterson. Paterson qui est à une demi-heure de Manhattan.
Patterson, c'est pareil. C'est une ville qui était en crise. Donc, on s'est rapproché de promoteurs immobiliers et de partenaires solides pour voir les éventuelles opportunités. Et petit à petit, on a commencé à investir tout en regardant l'exposition en euros. Donc, l'exposition en euros, elle était très importante à partir de 2014-2016 parce qu'on était aux alentours de 1 euro pour à peu près 1,30 à 1,40 dollars. Donc, c'était 30% de plus que ce qu'on a eu en 2020. Et actuellement, on est aux alentours de 1,21. Donc, l'idée, en fait, c'était vraiment de trouver une exposition sur des actifs tels que l'immobilier à travers le marché de la devise. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est notre fonds d'investissement est exposé uniquement à Baltimore. Donc, petit à petit, on s'est déplacé du New Jersey. On a cherché des villes toujours en crise et on s'est rendu compte que Baltimore, c'était une ville intéressante. Donc, aujourd'hui, la portée de notre projet, c'était surtout des biens commerciaux au départ et ensuite résidentiels. Et on s'est rendu compte que sur les biens résidentiels, il y avait plus d'opportunités. Donc, l'idée, c'était d'aller sur des actifs pas chers, de les réhabiliter et ensuite de procéder à une revente classique sur le marché. Donc, le processus d'investissement est simple. Donc, vous investissez. Au bout de 12 mois, on estime la valeur du rendement entre 8 à 12%. Alors, comment on arrive à se fixer un retour sur investissement de 8 à 12? C'est qu'aujourd'hui, on s'est permis de signer des partenariats plus ou moins effectifs. C'est-à-dire qu'on travaille aujourd'hui avec un promoteur immobilier qui est basé dans le New Jersey, avec lequel on est partenaire, qui nous rachète, quoi qu'il arrive, au bout de 12 mois, à une valorisation de 8 à 12%. Donc, en amont de notre investissement, nous avons déjà établi le retour sur investissement et l'acceptance donc de ce promoteur d'acheter nos propriétés. Donc, on procède à une acquisition de propriétés, on les rénove et ensuite on les revend sur les marchés. Donc, on évite en fait toute l'exposition de la location immobilière qui est effectivement beaucoup plus intéressante qu'en Europe. Mais nous, l'idée, c'est que, étant donné qu'il y a pas mal de problématiques lorsque vous mettez des locataires dans des biens immobiliers, aux États-Unis, vous pouvez vous retrouver avec des lawsuits s'il y a une problématique. Et étant donné que nous, on est sur des propriétés au départ vétustes, on doit éviter ce risque-là. Donc aujourd'hui, les chiffres clés, notre chiffre d'affaires en 2020 a été de 410 000 dollars. On a réalisé une performance nette de 11,20. Actuellement, la taille du fonds en l'espace de 2 ans, on est à peu près à 1,2 million. On a acheté cette année 23 maisons. On en a déjà revendu 11 et le ticket d'entrée est de 50 000 dollars. Donc, comme je vous l'avais expliqué, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a de partenaires solides. Nous, l'immobilier, c'était encore une fois une exposition euro-dollar. Donc, on fait beaucoup plus de profit sur la devise que sur la partie immobilière. Mais la partie immobilière nous sécurise l'actif et surtout la capacité et, je dirais, le profit que l'investisseur souhaite réaliser. Donc, nous, on se charge complètement du projet. Donc, vous investissez à travers notre structure. L'avantage qu'on a aux États-Unis, c'est que les États-Unis sont propriétaires. Demain, lorsque vous achetez une maison, si le locataire, par exemple, ne paye pas, vous avez 15 jours pour l'évincer du bien. On a un rachat garanti. Comme je vous l'ai expliqué, le promoteur immobilier avec lequel on travaille en amont nous valide ou non les acquisitions. Donc, par rapport aux acquisitions, donc nos équipes sont présentes à Baltimore et achètent soit directement auprès des propriétaires ou bien en foreclosure, donc en auction, c'est-à-dire sur des saisies de biens immobilières ou sur des ventes aux enchères. Donc, l'avantage, c'est que du produit clé en main, c'est que l'investisseur n'a pas besoin de créer une LLC. Donc, notre structuration est simple. On a la LLC
qui va acheter les propriétés, qui est donc sécurisé à travers le véhicule. Et on a une LP qui est une limited partner. C'est là où les investisseurs mettent leur argent sous compte séquestre d'avocats. Et ensuite, à travers ce véhicule-là, on envoie les fonds sur la LLC et on achète les biens. Donc, vous n'avez pas besoin de compte bancaire aux États-Unis. Nous, on vous aidera également sur la partie change, donc change de devise. Donc, ça nous permet d'avoir un risque relativement faible. Donc là, je vais vous donner un exemple d'une de nos propriétés qu'on a achetée cette année. Donc, elle est située au 3052 Brighton Street. Donc, c'est une maison mitoyenne, trois chambres, une salle de bain, 1554 square feet, ce qui représente à peu près à 145 mètres carrés. Donc, on a fait cette acquisition-là, on l'a rénovée au bout d'un mois. Donc, à savoir une chose, c'est que sur des biens vétustes, comme vous pouvez le voir dans la première image, enfin dans les quatre premières images, c'est voilà, les biens sont en très mauvaises conditions. Donc, ça nous met peu de temps à les rénover, mais ça nous coûte cher. Donc, aujourd'hui, pour une maison de ce type-là, le coût d'acquisition sera à peu près de 31 500 dollars. Les frais de rénovation représentent quand même deux tiers du bien, donc 19 000 dollars. Et ensuite, on a les frais de clôture. Donc, ça, c'est les closings. Chez nous, c'est des avocats qui prennent ces frais-là. Donc, la valeur totale est de 52 548 dollars. Et le prix de revente est estimé à 65 000 dollars. Donc, avec les frais de clôture, moins 3 300, on a une valeur de revente d'à peu près 61 000, ce qui fait à peu près 10 000 dollars sur 52 000 engagés. Donc, ensuite, les profits, comment on les répartit? Nous, on prend 15% de la performance et puis l'investisseur, 85%. Donc, on se retrouve à peu près à une performance de 11,95%. Et donc, cette performance-là est assurée par le promoteur avec lequel on travaille qui, lui, l'avantage qu'il a, se constitue un patrimoine immobilier donc à travers Patterson. Il a aujourd'hui 1,2 milliard d'equity et en plus d'être promoteur, il gère toute la partie management et qui n'est pas du tout notre cœur d'activité. Donc alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on s'est retrouvé à Baltimore. Alors Baltimore, Lorsque j'étais étudiant aux États-Unis, beaucoup de mes amis étaient à Baltimore parce qu'il y a une forte densité d'étudiants, surtout en médecine. Je reviendrai dessus sur les faits importants de Baltimore. On est à 3 heures et quart en voiture de Manhattan. On est tout près de la capitale. On a une demi-heure de Washington. Et en fait, ça représente la boucle de la côte Est. Donc, vous avez Boston, New York, Baltimore, Washington et Philadelphie qui est entre le New Jersey et Washington. Donc, Baltimore, c'est 611 000 habitants. Donc, vous avez le grand Baltimore qui représente 2,7 millions. C'est une agglomération qui comprend entre Baltimore et Washington 9,8 millions d'habitants. Donc, c'est la 20e métropole des États-Unis. Donc, alors, pourquoi c'est un emplacement stratégique? C'est qu'on est sur la côte des US. C'est une ville portuaire. Donc, il y a beaucoup d'échanges de marchandises et elle est reliée à Philadelphie qui est uniquement à 145 kilomètres et Washington à 60 kilomètres. Prochainement, on a un projet de TGV qui va arriver aux États-Unis. C'est vrai qu'on est assez en retard par rapport à l'Europe, mais d'ici 2025, en fait, cette ligne va rassembler donc Boston, New York, Philadelphie, Baltimore et Washington. Donc, l'avantage de Baltimore, c'est qu'on a une ville universitaire. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de populations qui ont besoin de renouveler la partie location. Donc, il y a une immigration assez importante d'étudiants dans cette ville-là. Johns Hopkins University, c'est la 9e meilleure des universités des États-Unis. La 3e meilleure, enfin, c'est le 3e meilleur hôpital universitaire également.
C'est 30 000 emplois. Le port de Baltimore, c'est également 30 000 emplois. Et on a beaucoup d'entreprises importantes comme T. Rowe Price, Under Armour. J'aimerais bien développer Under Armour. Alors, à savoir, Kevin Plank, qui était un ancien joueur de football américain, a créé de Baltimore, a créé donc Under Armour, qui est la marque de vêtements sportive. Et aujourd'hui, depuis qu'il a investi et surtout qu'il s'est développé à Baltimore, on a eu beaucoup de tax efficiency. Donc aujourd'hui, si vous voulez, à Baltimore, on est dans une ville qui est en pleine construction. Durant le mandat de Donald Trump, on a eu la chance en fait d'avoir des zones d'opportunité. Alors les zones d'opportunité, c'est des endroits où les promoteurs immobiliers présentent leurs projets et ont des tax abatement de 15 ans. C'est-à-dire que pendant 15 ans, vous ne payez pas de taxes. Et l'avantage pour nous, c'est que sur des petites résidences comme les nôtres, ben, ça nous permet d'avoir pas mal de locataires et un renouveau en fait, de cette ville en pleine construction. Amazon s'y est installé également, Constellation Energy et McCormick & Co. Qui sont présents. Donc, c'est tout de même des grosses structures cotées en bourse qui sont présentes à Baltimore. Alors, le marché immobilier de Baltimore, et c'est là où j'ai été assez surpris durant la période Covid, c'est qu'en fait, on a été assez surpris, mais on a fait de très bons résultats au niveau de vente de logements par rapport à janvier 2020. La moyenne des logements a augmenté de 56,9% en un an. Les biens vendus par rapport au mois de janvier de l'année dernière, 915 en un mois, donc ce qui est assez incroyable. Et les propriétés sont restées environ 40 jours, soit 27,3% de moins qu'en janvier. Donc c'est là où on a été assez surpris, c'est que les étudiants qui étaient en campus nous ont contactés justement pour prendre nos petites maisons en location. Et ça a été finalement, ça a été un bond assez important pour nous. Parce que comme vous l'avez vu auparavant, on a vendu tout de même 50% de nos maisons sur la période 2020. Donc Baltimore reste un marché attractif. À savoir, j'ai un chiffre en tête, c'est une de nos dernières maisons qu'on a achetées pour 40 000 dollars environ. Aujourd'hui, on a 600-700 dollars de loyer mensuel. Donc à savoir, Baltimore, elle est séparée en deux parties. La partie riche de Baltimore qui est clairement sur la côte et la partie un peu moins riche qui est plus vers l'ouest où c'est une ville assez problématique où la population est en train de se reconstruire parce que c'est une population vieillissante. Baltimore est clairement appuyé par l'État et par le gouvernement américain. Et donc, comme vous pouvez le voir, on est sur des entrées suffisamment abordables. Donc, c'est un parc très important de maisons vétustes à prix réduit. Et on a actuellement 42 zones d'opportunité offrant des avantages fiscaux. Et donc, indirectement, nous, on est impacté du bon côté. Donc, aujourd'hui, on a des partenaires solides. Étant donné que nous, l'idée principale, c'est une bonne exposition sur l'euro. Donc, lorsque l'euro est fort, on fait changer l'euro en dollars à nos investisseurs. Et on se permet d'investir à Baltimore. Et derrière, on a un cycle de 6 mois d'achat, réhabilitation, revente. Et l'idée, c'est que sur 2 ans, on sait que l'investisseur va faire son profit donc de 12% annuel sur la partie immobilière. Et sur les, donc ça, c'est par an. Et sur les 2 ans, on sait qu'il va faire au moins une plus-value de 10% sur la partie devise. Donc, en concoctant ces deux stratégies-là, on est positif sur l'année, plus sur 2 ans où on arrive à faire un double digit. Donc voilà, notre track record depuis donc la création de Baltimore Real Estate LLC en 2019, c'est 76 maisons. 76 maisons, actuellement il nous en reste 11
Et on recommence les acquisitions à partir du mois d'avril, parce qu'on arrive à la fin du premier quarter. Et derrière, on a également une bonne expérience au niveau du marché dans le New Jersey, où là, par contre, c'est des projets un peu plus importants et on arrive sur des projets multifamily. Donc, c'est des immeubles d'appartements, entre 30 appartements à 210 appartements. Et donc, ça, c'est notre dernier projet qu'on a à Patterson, donc une demi-heure de Manhattan. On est sur une levée de 10 millions de dollars. Il y a 206 appartements avec deux espaces commerciaux, les amenities au top. Patterson, c'est un autre sujet, mais c'est un sujet important également. C'est qu'on arrive sur une ville pareille qu'à Baltimore en pleine expansion. Donc, une ville qui était en crise auparavant, dans lequel notre promoteur et partenaire immobilier est présent maintenant depuis 15 ans de cela, où on fait des développements assez importants. Donc, le rendement estimé est un double digit de 28% sur 2 ans. Et là, c'est un process très simple. Donc, on met les 10 millions de dollars, on adosse ça à un prêt à la construction qui représente à peu près 70 millions de dollars et on fait le bâtiment. Au bout de 2 ans, on procède à un refinancement pour sortir des investisseurs à 10 millions de dollars et on reste equity partner. Donc, chaque année, on touche en plus des 28% qu'on a réalisé au bout des 2 ans. On touche sur le cash flow un montant estimé aux alentours de 300 000 dollars sur l'investissement principal. Donc, ça, c'est ce qu'on a à Patterson. Et donc, on est présent à tout moment pour répondre à vos questions. Comme vous pouvez le voir, il y a le QR code. On est présent sur les réseaux sociaux. Et voilà, on est en plein essor à Baltimore. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Super. Merci beaucoup. C'était très, très clair. Je vous rappelle pour ceux qui l'ont fait, vous prenez votre iPhone. Vous scannez le QR code et puis vous pouvez directement prendre contact avec Yannick. Donc, le QR code qui s'affiche encore maintenant. Donc, voilà. Merci Yannick. On te retrouvera tout à l'heure pour répondre aux questions de l'audience. Et voilà. Merci encore. À tout à l'heure. On va se retrouver avec Amélie juste après ça. Et nous revoilà pour cette deuxième partie avec Amélie. Amélie, je t'invite à me rejoindre. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Merci de soutenir le salon toute la semaine avec OFX. Je vais te donner la parole pour nous présenter un peu comment tu vas aider les gens qui veulent potentiellement investir à Baltimore ou ailleurs partout dans le monde, puisque tu es experte en devises. Et vous allez découvrir que le marché des devises est un peu plus complexe que vous le pensez. À tout à l'heure. Merci. Merci aussi à Yannick. Écoute, tu nous as présenté des opportunités d'investissement avec un rendement à 2 chiffres, un turnover rapide et puis sans les défis qui sont liés à la location. Alors, je pense que c'est un bon trio d'avantages. Je vais attendre un petit peu que Julien partage la présentation. Merci beaucoup. Alors, moi, maintenant, aujourd'hui, mon but, c'est de simplifier au maximum une des considérations pratiques, donc d'investir aux États-Unis, qui est celui du déplacement des fonds de la France vers les États-Unis. Pour ceux qui ont assisté à la présentation de Cleveland lundi ou de Détroit hier, c'est la même présentation. Alors, vous pouvez vous prendre un 10 minutes de pause. Et puis, pour ceux qui nous joignent pour la première fois, on y va. Alors, voilà. Je commence par juste faire peut-être une distinction entre l'approche de Yannick du marché des devises et celle d'OFX.
Donc, Yannick, dans le fond, propose une approche qui est spéculative. Donc, d'essayer d'avoir sur une fenêtre de 2 ans un gain entre le moment où vous allez investir aux États-Unis et le moment où vous retirez votre argent, votre investissement et le rapporter en euros. Nous, ici, c'est plus une approche qu'on dit transactionnelle. Et donc, on n'essaie pas nécessairement de faire un gain, mais on essaie d'avoir le meilleur taux de change pour la transaction qui doit être réalisée dans un laps de temps bien concret. Alors, voilà. Je commence par vous expliquer qu'est-ce que le taux de change réel. Et donc, lorsque vous allez vouloir faire votre transfert de fonds, bien sûr, vous pouvez tenter d'y aller avec des options qui sont facilement disponibles, comme avec votre banque, il y a un sens de familiarité. Mais par contre, la majorité des grands groupes bancaires dans le monde, lorsqu'on fait un transfert de fonds, on se rend compte qu'on y perd pas mal au change. Les transactions, il va y avoir des frais à l'envoi et à l'arrivée, quelque chose qui peut varier entre 15 jusqu'à 50 dollars ou euros. Mais surtout, il y a une marge qui est prise sur le taux de change réel qui est assez grave. Et donc, le taux de change réel, dans notre jargon, c'est aussi appelé le taux interbancaire. Et dans le fond, c'est le taux qui est utilisé par les grands groupes bancaires dans le monde pour échanger des millions de devises entre eux. Ce n'est jamais le taux qui est accessible pour les consommateurs, comme vous et moi, mais c'est quand même le taux qu'on doit utiliser comme référence pour comprendre les coûts qui nous sont facturés. Et donc, tout fournisseur de devises vont ajouter une marge à ce taux de change réel, donc un coussin, et votre défi, c'est de conserver cette marge-là au minimum. Alors, donc, un exemple bien concret, si vous désiriez transférer 100 000 euros en dollars américains, le taux réel ce matin était à 1,2220, donc c'est un petit peu amélioré par rapport en début de semaine. Avec un taux bancaire standard, vous obtiendriez au final quelque chose comme 119 750 dollars américains. Avec un spécialiste en taux de change comme OFX, la même transaction vous donnerait au final 121 650 dollars américains. Et donc, c'est un 1 900 $ de plus, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, dites-vous que c'est un 1 900 $ que vous perdriez pour qu'on envoie pour vous l'équivalent d'un courriel. Alors, comme je disais plus tôt, c'est pas un bon investissement. Essayez de conserver ce 1 900 $-là. Et donc, la stratégie gagnante, d'abord, connaître le taux de change réel au moment de la transaction. Soyez informés avec les banques, ce n'est pas toujours très transparent. Le taux de change réel, il fluctue à la seconde. Alors, regardez-le vraiment au moment de la transaction. Prenez pas juste le taux du matin. Et puis, je vous invite aussi à magasiner un spécialiste en taux de change parce que c'est leur raison d'être, c'est d'offrir des taux qui sont plus avantageux sur le marché. Je vous présente rapidement 4 produits qui peuvent être intéressants. Le premier s'appelle l'ordre à cours limité. En anglais, on l'appelle le « limit order ». Et c'est un produit qui est basé sur le principe d'attendre pour le bon moment. Et donc, vous allez l'utiliser lorsque vous avez les fonds qui sont déjà prêts pour le transfert, mais vous pensez que le taux pourrait s'améliorer un petit peu dans le futur. Alors, si on reprend notre exemple de tantôt, ce matin, le taux était à 1,22. Il était à 1,23 en janvier. Donc, disons que vous avez bon espoir qu'il remonte à 1,23, peut-être même 1,24. Vous placez une épingle dans le marché avec votre directeur de compte pour, disons, 1,24. Et si et quand le marché atteint ce taux, nous achetons les dollars américains pour vous. Alors, vous n'avez pas à vous en soucier. C'est un outil de monitoring du marché qui n'a aucun inconvénient. Il n'y a pas de coût additionnel à ça. Si le marché n'atteint pas le taux désiré et puis qu'à un certain moment, vous devez effectuer la transaction, on cancelle l'ordre à cours limité et vous effectuez votre transaction. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Comme je vous dis, il faut avoir de la flexibilité dans le temps. Alors, ça serait probablement en amont de votre projet d'investissement. Ce serait intéressant de placer un ordre à cours limité. Le deuxième produit qui est le plus important s'appelle le contrat à terme. En anglais, on l'appelle le « forward exchange contract ». Et c'est le plus important parce que c'est le seul qui vous offre une protection contre un mouvement adverse du marché. Et c'est un produit qui est basé sur le principe de « j'achète aujourd'hui, j'utilise plus tard ». Et donc, on utilise le contrat à terme lorsqu'on aime le taux du jour, mais qu'on sait que la transaction va arriver dans le futur. Et donc, je peux acheter le taux d'aujourd'hui à 1,22 et pour une utilisation, quand je dis dans le futur, c'est n'importe quand, entre 2 jours et 12 mois à partir de la date d'aujourd'hui. Et donc, à ce moment-là, je fixe le taux. Peu importe le mouvement dans le marché, moi, je suis protégée. Et pour un investissement, ce qui peut être intéressant, c'est que la seule contrainte, dans le fond, du produit,
c'est d'avoir, il faut avoir immédiatement un dépôt de 10 %. Alors, si je veux protéger 100 000 euros, je dois avoir 10 000 euros prêts pour réserver mon taux de change. Mais une fois que c'est fait, disons que j'ai des investissements à liquider en France, eh bien, j'ai le temps donc de travailler avec mes planificateurs financiers pour rassembler les fonds pour ensuite les déplacer, pour ensuite faire le transfert en dollars américains. Mais je peux déjà m'acheter fixer mon taux de change à l'avance. Alors, ça peut être un produit très intéressant. Le troisième produit en haut à droite, le taux au comptant. En anglais, ça s'appelle le spot rate. C'est le plus courant, le plus simple. On achète une devise étrangère au taux du moment, donc on the spot. Et puis, le quatrième outil, c'est l'expertise humaine. Chez OFX, on a investi beaucoup pour une plateforme transactionnelle en ligne qui vous offre une pleine autonomie 24 heures sur 7. Mais on croit aussi beaucoup en la combinaison, en une équipe qui est là pour vous 24 heures sur 7 par téléphone pour vous aider justement à faire le bon choix du bon produit pour votre scénario spécifique. On a aussi plusieurs outils qui sont disponibles en mode libre service. D'abord, l'application mobile. Donc, sur votre téléphone intelligent, vous recherchez OFX, nos couleurs orangées vont être là. Et donc, sur l'application mobile, vous pouvez créer votre compte, booker des transferts, suivre le cours des transferts. Bref, vous pouvez tout faire là-dessus. Vous pouvez vous inscrire pour des alertes de taux. Et donc, vous allez recevoir une alerte lorsque la paire de devises qui vous intéresse bouge en votre faveur. On a aussi un commentaire hebdomadaire livré par courriel et finalement un dossier de recherche qui est un petit peu plus volumineux qui s'appelle le Currency Outlook qui est livré à chaque mois et qui fait un survol de toutes les paires de toutes les devises majeures en lien avec les grands événements économiques mondiaux. Alors, ça peut être intéressant, je pense, comme nouvelle générale pour comprendre un petit peu plus le mécanisme de ce marché-là. Petit animal qui veut participer à la présentation. Ici, je voulais couvrir rapidement le processus d'enregistrement d'un compte pour pas qu'il y ait de surprise. Alors, on se rend au ofx.com/frenchmorning parce qu'on a négocié des taux avantageux pour la communauté francophone. Alors, habituellement, l'algorithme d'OFX prend une marge sur le taux de change réel d'à peu près 1 %. Pour vous, on a coupé ça en deux. Alors, nous ne prendrons la marge que nous prendrons sur le taux de change réel ne dépassera jamais 0,5 %. Alors, très compétitif. Et donc, la première étape, comme pour tout produit en ligne maintenant, vous créez un profil, ça prend une dizaine de minutes. Votre nom, les devises, le pays, on crée le mot de passe. Ici, une note entrée, une adresse civique à laquelle vous avez été pour plus de 6 mois, donc une adresse permanente. Parce que c'est utilisé pour que la plateforme passe une vérification électronique. Et puis, si l'adresse est trop récente, il n'y a pas assez d'informations, donc ça va probablement échouer. Il faudra nous envoyer des documents d'identité. Pour s'épargner ça, entrez votre adresse permanente. La deuxième étape, donc une fois que ça c'est fait, vous allez recevoir dans la même journée un appel de notre équipe. Alors, soyez à l'affût. C'est pour valider que l'information était bien rentrée et puis pour activer le compte. Une fois le compte activé, ça veut dire que vous pouvez utiliser la plateforme OFX pour faire vos transferts de fonds. Donc, la troisième étape à partir de ce moment-là, ben, c'est d'entamer le transfert. Et donc, vous allez sur Book Transfer ou New Transfer. Et puis, lorsque vous complétez cette étape, ce que vous faites vraiment, c'est que vous réservez le taux pour le montant que vous désirez envoyer. Et à partir de ce moment-là, le taux ne bouge plus. C'est à ce moment-là aussi que vous devrez entrer les coordonnées bancaires du bénéficiaire aux États-Unis. Et donc, ça peut être votre propre compte bancaire aux États-Unis si vous en avez un ou si vous envoyez les fonds dans un compte séquestre, par exemple, ou une tierce partie, il n'y a pas de problème. Il faut seulement avoir les coordonnées bancaires du bénéficiaire. Et donc, la quatrième étape, c'est de nous envoyer les fonds, les euros. Alors, voici comment ça se passe, les paiements chez OFX. Ça se fait en 2 paiements locaux. Et donc, comparativement aux banques qui utilisent le système SWIFT où, dans le fond, l'instruction du transfert voyage à travers des banques intermédiaires puis tout le monde se prend une petite cote là-dessus, chez nous, c'est différent. C'est 2 transactions locales. Et donc, vous allez envoyer les euros de votre compte vers notre compte avec la banque Barclays. C'est un compte en euros. Et ce transfert-là se fait via le système SEPA, S-E-P-A, qui est le système de transfert gratuit inter-Europe. Et donc, une fois qu'on reçoit les euros chez Barclays, de notre compte avec la banque de New York Mellon aux États-Unis,
on livre les dollars américains localement aussi dans le compte du bénéficiaire. 80 % des transferts se font en une journée, mais on dit deux jours juste pour être bien certain. Alors, calculez deux journées. Et puis, pour conclure, bien, le French Morning, on fait évidemment leur devoir avant de s'associer à OFX. Mais je vous fais un petit survol de la compagnie. C'est une compagnie qui est là depuis 1998, une compagnie australienne fondée à Sydney et qui est maintenant une compagnie publique qui est listée sur la bourse de Sydney. Donc, vous avez accès à toutes nos informations financières en ligne. Et puis, à travers ces ben, maintenant 22, 23 années-là, on a ouvert 6 bureaux dans le monde. On a une équipe de 50 personnes à San Francisco, un autre 50 à Toronto, ensuite Londres, Hong Kong, Sydney et Singapour. Et c'est cette position-là des bureaux qui nous permet de vous offrir le service par téléphone 24 heures sur 7 par nos équipes. On a aussi, comme je vous ai montré, développé les outils pour gérer le risque de change, donc le contrat à terme. Et puis, on peut vous aider dans 55 devises, toujours avec la même mission de vous offrir un taux qui soit plus compétitif que les banques. Et ici, juste une petite un aparté, on travaille avec les banques. Donc, les comptes de banque qu'on a sont avec 16 groupes bancaires majeurs. Aux États-Unis, Bank of America, Deutsche Bank, New York Mellon. En Europe, avec la Barclays. Et dans le fond, c'est que nous transférons plus de 20, on est maintenant même à 25 milliards par année. Et donc, que ce flot d'argent-là passe à travers les rails de paiement des banques, ça a une valeur. Et donc, en échange, elle nous donne des taux institutionnels qu'on peut ensuite passer aux consommateurs et même au business. Alors donc, c'est vraiment un gros 6 dans le fond de taux de change. C'est aussi simple que ça. Alors voilà, on a créé une page au ofx.com/french-morning où vous retrouvez l'information de base là, sur le fonctionnement du système et puis où vous pouvez créer votre compte. Et puis, si vous avez des questions avant de créer le compte, amélie.deschênes@ofx.com. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, Amélie. C'était très clair. Ça me fait plaisir. Je vais rappeler Yannick pour qu'il puisse nous rejoindre. On avait déjà une première question. Alors, je vois qu'il y a pas mal de gens qui nous ont salués. Pierre, Solène, Cyril, Jeanne. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser. On répondra en direct. On a une première question pour toi, Yannick, quand un investisseur investit donc dans Baltimore Real Estate, il peut espérer un retour sur investissement sous combien d'années? Alors, sur la première année, sur un an, c'est 8 à 12% estimé. Et ensuite, au bout de 2 ans, il y aura également la plus-value sur le change si la personne n'est pas exposée en dollars. Parfait. On a reçu une autre question qui est pour toi aussi. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur la situation 2020 du COVID sur le marché de Baltimore? Quels ont été les impacts, s'il y en a eu, ou est-ce que c'est effacé déjà aujourd'hui? Alors, en plus d'être effacé, on n'a pas subi d'impact, et c'est ce qui a été assez étonnant. C'est qu'on s'est retrouvé en fait dans un schéma où les villes comme, on va prendre l'exemple de la ville de Manhattan, où on a eu une migration vers le New Jersey, et ça s'est en fait étendu jusqu'à Baltimore. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui étaient dans les campus, comme c'est une ville universitaire, ont souhaité en fait par mesure de sécurité chercher des maisons pour avoir un peu plus d'espace. Étant donné qu'à Baltimore, c'était pas cher, on a eu pas mal de demandes de location. Donc ça a été positif. Et en plus de ça, dans la partie immeuble, les personnes qui étaient en location, pareil, elles ont décidé de sortir de ces immeubles-là pour des mesures de sécurité et demander des maisons, des petites maisons comme on a à Baltimore. Donc, ça a été plutôt positif. On a eu les chiffres également que j'avais montrés lors de la présentation. De janvier 2020 à ce janvier 2021, on a eu une hausse plus ou moins importante. Et du coup, pour nous, ça n'a pas été un facteur embêtant. Alors, il y a eu le facteur également où le gouvernement a demandé aux propriétaires de ne pas demander les loyers. Étant donné que ce n'est pas dans notre stratégie, même si les locataires n'ont pas payé, et ça a été le cas, on n'a pas subi de problématiques, étant donné que nous, c'est de la réhabilitation et du flipping. On achète, on réhabilite, on revend.
Donc, le Covid ne nous a pas posé plus de problèmes que ça. Et puis, ça a été même plutôt positif pour nous. Merci. On a une autre question. Pour un investisseur qui est basé en France, est-ce que les bénéfices sont imposables? Et si oui, dans quel pays? Absolument. Donc, les bénéfices sont imposables aux États-Unis. Donc, nous, on se charge de tout parce qu'on est un véhicule qui va payer en fait pour l'investisseur. Donc, en incluant tout ça, on arrive quand même à une performance de 8 à 12. Et derrière, sur les 39% de retenue, il y aura 3% de déduction en France. Donc, on est à transparence fiscale sur les 3% supplémentaires que l'investisseur français pourra récupérer avec l'État américain dans son territoire. Tu peux confirmer que ton fonds fait juste de l'achat et de la revente, hein, pas de location? Alors, le véhicule fait bien de l'achat, réhabilitation, revente. Parfait, super. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour des questions. C'est parfait. Merci à vous deux. Merci pour votre temps aujourd'hui. Merci à l'audience de French Morning de nous avoir suivis. Je vois que tout le monde est encore là depuis le début, donc c'est top. On va tout de suite vous présenter le programme et la suite de la semaine. Alors, cet après-midi, on vous donne rendez-vous. Donc, si vous êtes en Californie, ce sera à 11h. Si vous êtes sur la côte Est, ce sera à 14h, donc dans à peu près 1h15. Et demain, on vous donne pareil rendez-vous. Donc, le premier, c'est Los Angeles. Et puis, le deuxième demain, ce sera San Diego. Donc là, on va plus parler achat, location, mais peut-être qu'on touchera aussi un petit peu l'investissement. Voilà. Merci de nous avoir suivis jusqu'à présent. À bientôt sur HT Hulu aux USA. À bientôt sur FrenchMorning.com. Bon après-midi, bonne soirée si vous êtes en Europe. Au revoir.